Bonjour à toutes et à tous, ici Rekai et on se retrouve pour un nouvel épisode de Let's Play sur The Legend of Zelda A Link to the Past. Donc la dernière fois on avait battu le second boss, hein, vous savez c'était le temple de la palais du marais. Et il est temps d'aller nous aller dans le troisième donjon, la forêt des squelettes. Et putain merde, je vais te faire la gueule. Bref, tant pis. Bon, vous savez ce que c'est, hein, maintenant que je vous ai dit non. Allez, par où faut aller? Tiens, je sais pas, venu ici. Pas d'épée de 4. Ah non, non. Il faut avoir réussi un tas de médailles en multi, bon c'est chiant. Allez, nous fiche le camp, on monte au nord. En gros, il faut avoir au moins le grappin pour pouvoir passer. Si vous n'avez pas le grappin, vous ne passez pas. C'est clair, c'est dit, c'est net. Cimetière, je passe. Le sanctuaire qui était remplacé par une espèce de petite grotte à la con. J'ai bourré le meuble. Ok, d'accord. J'y vais à dire oui pour de la merde. Et cimetière là. C'est pas un truc à faire à droite. C'est là, je me rappelle de ça. Une grotte. C'est pas, du tout hein, le mur brisé là au fond. Hein. Fragment de cœur, déjà 3 sur 4. Ah oui, je peux le placer, c'est vrai. Voilà, là je peux le placer. Je vais faire, voilà, je vais reprendre mon grappin. Allez, on va retourner. Dans la forêt. Oh, c'est mal ces saloperies. La montagne ici, elle est fermée, je crois. Ah non, elle est ouverte. Qu'est-ce qu'il y a ici? J'aime bien explorer. Ok. C'est juste à ce tour-là. Ça grouille du coffre au trésor de la montagne, vous allez voir. Je suis sûr qu'il y a quelque chose à faire là-bas. Et voilà. Ok. J'ai pas l'objet caché ici. Quoi à faire? Il y a un objet à récupérer ici. Hein. Bon, il faut venir du... Voilà, il y a un caractère là-haut. On va revenir ici. Là, je sais qu'il y a un truc intéressant. Voilà, 46 déjà. Ça, ça me plaît. Puis je sais qu'ici, en haut, voilà, il y a des petites fées. C'est là qu'elles sont. On va faire le stock de fées ici. Là, c'est l'endroit pratique, pas loin de... Bah, du troisième donjon, où on va pouvoir se ravitailler en fées. Un bûcheron.
J'ai plus de force, je peux pas couper les arbres comme les géants. Mais je serais fort pour être devinette. Ah, il proposera un jeu si on réussit un truc dans le multi, mais c'est chiant. Voilà, on va virer dans le monde des ténèbres. Allez. En tout cas, ici, à retenir, l'endroit pour se refaire en life. On perd toute notre vie. Pas besoin de fées. On vient ici. Allez. Et nous, on va rentrer dans la forêt. Désolé, au revoir. Je déteste le niveau 3. Je pète les ovaires. Les ovaires, c'est une fille, oui. C'est horrible. Vous vous demandez pourquoi est-ce que je déteste? Très, très rapidement. Déjà, c'est un labyrinthe, c'est génial. Ça grouille le trou. Enfin, je vais se jeter dedans. Et voilà, premier sous-sol du troisième palais. Ah, ah, salaud ça. Il y avait une clé à la con qui est perchée là-dedans, non. Oh non, pas les rouges. Génial. C'est génial, le petit coup du... Hop, vous avez vu, je fais pas des trous dans le sol. Toi, lui, il est mort, c'est très bien, c'est une bonne nouvelle, on va pas le plaindre. Et c'est un labyrinthe de merde. Ces mobs mettent 300 ans à mourir. Et cette majeure de merde qui tombe du plafond en plus pour nous défoncer. Il y a une petite clé ici, je vais pas la cramer tout de suite, je préfère encore faire du stock de clés. Des fois, il y a certaines qu'on peut économiser et conserver. Ça évitera des emmerdes. Quand je, enfin, emmerde, je veux dire salle supplémentaire à se taper. Ah, il passe derrière les trucs. Oh, c'est salaud ça. Il manque des larmes donjon pour pouvoir les buter facilement ces guignols là. Voilà. Vous avez des clés. Ça se pose pas ça, non. Cassez-vous, ça fait merde. Trois vases à la gueule pour les tuer, ces machins-là. C'est abusé. Bon, je vais leur cramer une petite clé, par contre, ici. J'étais pas dessus, là, genre. La carrière donjon. Regardez-moi ce donjon de merde. Eh, qu'un seul étage, oui, c'est sûr, elle est bon. Avec plusieurs entrées. Non, il faut être une bombe là à gauche, ça je vois. Et là, je me rappelle qu'il y avait un truc chiant ici. Oui, il y a le coffre, génial, oui, mais bon, je sais comment.
Il y a pas une petite clé là-dedans déjà. Vérifions. Oh mon dieu, ce niveau est une prise de tête absolue. Sauf que à gauche j'ai pas envie de cramer ma clé pour ça. Là c'est pour retomber. Un cul-de-sac. Donc se faire chier à trouver une autre entrée. Là. Parce que voilà, niveau 3. Eh ben, c'est un truc un peu plus intéressant. Et là, on va en chier. Pourquoi? Parce qu'il va falloir buter tous ces machins-là. En plus, histoire de vous casser les pieds, il faut bouger une statue. Pourquoi est-ce que tu es assez du toit? C'est peut-être que vous bougez? Ouais. J'ai peur vraiment qu'à cause de l'hitbox, c'est le prix me touche. Voilà. La grande clé, génial! À droite. Voir ça alors. C'est même merde que vous ramenez au début du niveau, c'est chiant. Allez, qu'est-ce qu'il y a ici? Blague. Ok, je le casse. On va à niveau 3. Hop. On explorera la suite un petit peu plus tard. Allez hop. Est-ce qu'il y a la ville là-dedans? Oui, il y a un cœur ici, il y a un cœur. Des bombes là, non. Et voilà, deuxième petit baiser. Oh putain. Bien sûr, il faut trouver. Il faut activer ça. Maintenant, il est tranquille. Et là, tiens, la baguette de feu. Allez hop. La baguette de feu, vous allez voir. On va se réveiller un peu plus stylé que la baguette de glace déjà, c'est sûr. Attendez, par où est-ce qu'on se casse? Sur la gauche. Là, on revient à la salle principale. Là, je me tire. Et on ne prend surtout pas la porte verrouillée, c'est un piège à con. C'est le meilleur moyen de perdre une clé bêtement. Ok, il me fout de la gueule, là. Je suis vraiment pas en ville. Au moins, on va atteindre. T'es jamais venu ici, non? Regardez. Il y a encore un trou pour tomber là. Qui est plus bas. Enfin, je veux dire. Rien à faire. Par contre,
Oh, va te faire foutre, le mob de merde, il est planqué dans l'herbe. Regardez-moi ce truc de pute. Vous avez vu la fourbe de cette saloperie là? Et voilà, le trou, il faut attendre, c'est là. Comme ça, on est en haut de la pièce de tout à l'heure. Là d'ailleurs. On va changer ça maintenant. Est-ce qu'il y a pas un truc qu'ils ont à faire ici? Si, on a supprimé les troupes. Ok. On va balancer le mob sur le... les petites clés, voilà. Ici, maintenant, qu'est-ce qu'il y a là-haut? Quel intérêt de venir ici? Quel était l'intérêt vraiment d'ouvrir cette porte à la con? C'est une clé qui est bloquée là-dedans? Non, 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 l'intérêt c'est juste de nous casser les couilles. Génial, merci. Donc, on crée donc une de vos petites clés pour rien. Putain, il m'a eu. J'aurai ce mob là. Allez, on va faire la partie finale du donjon, voilà. Faut juste utiliser le bâton de feu. Faut cramer le squelette. Allez hop. Faut squelette niveau 3. Et voilà, on peut passer en dessous là, c'est... Oh, c'est salaud ça. Je vais passer à droite. C'est bizarre ça. Ah, ce truc là c'est horrible. Hop, au revoir. Je fais le camp et je reviens, viens ici. Je prends le coffre qui coûte un peu de clé. Les deux mobs, on les a défoncés. Après, je sais avoir quand même un débile. Ça sauta? Non. Comme il y a une progression dans le donjon là. Oh, c'est celle-là. Je me rappelle très bien cette salle-là. C'est une salle que j'appelle la salle Brise-Boule. Là, j'ai une salle relou. Oh la main, on l'a cramé au passage. Oh, c'était beau. Alors là, il faut se taper la salle. Faut d'abord faut la nettoyer d'abord. Faut éviter tous les monstres. Ça se passe bien. Hop. Hop, hop. Et comme ça ouvre la porte. Et là. Mais normalement la poudre magique est... Charles s'est fait choper. Ok. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais me barrer d'ici, je vais chercher de la vie. Non, on a quand même bien avancé dans ce donjon de merde.
on va revenir dans le monde réel. Putain, je dis qu'on a bien avancé, qu'on va revenir dans le monde réel pour chercher une fée. Et qu'est-ce qui m'arrive, je me fais défoncer par un monstre de merde. Allez. L'important c'est que on ait un raccourci pour le monde, enfin pour le dire pour la forêt. Le gars, je passais devant lui, il m'a même pas vu. Par contre, le gars se retourne, normal. Non, mais normal. Allez, on défonce ça. Voilà, il est là. C'est plus le convite, très bien. Eh ben on se casse ici. Allez. C'est pas là, c'est à droite évidemment. La petite musique là, c'est le réconfort, ça nous dit c'est bon, t'es dans une zone safe, tu vas pas mourir comme une merde, en plus tu vas pouvoir te soigner. Ça par contre... Oh. Je crame tellement de magie que c'est connerie. Oh, une petite mine de pupute. Oh. Oh. Est-ce que t'aurais chié ou t'appauvrir? Ça, je m'en rappelle plus. Transforme ma vie, génial. Je vais des bandits. Qu'est-ce qu'il y a? Non, oui, merde. Est-ce qu'il y avait un quart de cœur là-dedans? Je transforme ma vie encore. Un rubis, d'accord, c'est un rubis ou alors c'est 100. Oui, il faut vraiment d'urgence à la magie, moi. Allez, on se transforme dans la forêt. Et voilà, on va revenir dans le monde des ténèbres. Par contre, la musique là est épique, je trouve. Des montagnes de la mort et de la forêt là. Il avait remis dans Super Smash Bros. Brawl, il était génial. Et je pense que aujourd'hui on va s'arrêter là. Du coup, j'espère que l'épisode là vous aura plu. N'hésitez pas à faire part de vos remarques, vos commentaires. Je continuerai la prochaine fois. On se fera le boss. Moi je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde!